DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bana Congo, bana Kisasa. Salut, comment on a Molobeli, à peuple, de Sénat, le Mouba Prince et Pengé Awa, ou comment on a Touali Nanzela, ou Routi Nambandaka, on a Okende Bikoro, à Tétoa Bikoro, comment on a Ngambo Okuna, cortège Johanna et président élu Martin Fayulu. Donc, il y a qui, Mokolo, ya samedi, Nambandaka, le sali meeting, ya Kafu Kafu, accueil triomphal, et Tolongo le lot, dimanche après, Missa, ya Kafu Kafu, Nambandaka 1, tu as dit que comment la population y a dit qu'au bas cause la présidente Martin Fayulu. Un bon moni gouverneur, sur les soi-disant gouverneurs bobo. Même combo na ya vu que comment on a papierté. Je sais pas comment comme gouverneur équateur a tindi bato bata Tanzela. Alors bien Fayulu a coupé tout à fait. Le col a échoué. Il y a Nambandaka quoi. Pesa qui ordre te bat Kadhafi, te bat Tekate. Pour ma moto, ils ont approvisionné tant qu'à dire pour que le Yamba Fayulu a échoué. Pourquoi la Yéba était faite au Kenda Nabikoro a tindi batata pont, batati pont à Waboye. Moi, tout quatre ça et alité. Bakati pont vraiment, bakati ango. Voilà. Ngambo Kuna, président Fayulu, a allé bloquer Kuna. Ngambo Kuna, les alli population Yambandaka. Au moins, il va tourner au Bazako Leka. Nzela, principal, même à des chefs fouliers à Équateur. Na territoire mabé akoko kozalana na mbeba mais bot sambisa ye selon procédure là, procédure ezala ki bien te ce que les dangers c'est à quel niveau pour na bande ko ya famille biologique na famille politique ya mwana mboka Vital Kamerhe 13 ans c'est après débat et délibération ce que tozongi lisusu pour na débat plaidoirie et puis délibération. Donc c'est pour dire que juge au balobi autrement composé, c'est-à-dire chambre moussousou, bazan a besoin d'avoir babé, faux y a l'ikambouzala qui, ndengenini. Bazan d'ombre, on a eu qui sous qu'on allait éclairer davantage, donc tu crois qu'on a eu sous de 13 à 20, tout au moment de 13, tu as quitté les sous ou bien acquittement. Donc jusqu'à la preuve du contraire, rien n'est gagné, rien n'est perdu. La bataille est en cours. Attendez, si juge Yanni. Je suis un peu malakina, la kimia plutôt. Nous devons filer moi. Bino batoua famille politique ya Vital Kamerhe. Moi lim nde yewala. Jouissance, vous dites pour Serena no Maboko, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Tout sambela, le roi Vital Kamerhe a chrétien catholique, tu as appelé la semaine sainte, mais que l'eau maka sera kanzele kulusu, nzamba rabisoma. Merci Ndeko. Na landi ba analyse ya bandeko basali awa. Les problèmes jusqu'à ce niveau, ils allaient te genzambe ayokabiso mawa. Puisque genzamba salagate, puisque yo olingi, genzamba salaga déjà avant que yo olinga. Ce qui est fait pour Dieu. Alors, dossier, il y a justice pour le moment. Biso, tout ça n'a qu'à quoi s'appeler. Dengue baninga bazo kadzaki, tout ça n'a qu'à quoi s'appeler. Victoire, victoire, non, non. À ce moment, il y a ni vainqueur ni vaincu. Mais tu crois que le Belango, autrement, le vainqueur, c'est la République démocratique du Congo. Le vainqueur, c'est la justice congolaise, qui a réalisé un score. Ça veut dire à sali un pas. Au lieu que le juriste, il y a l'Ibanda, il y a le Babarote, il y a non, procédure, il y a qui respecte, il y a qui biaisé. Mais Bazouzi, Bazongeli, on a remarqué, ils allaient biaiser, maintenant ils ont cassé. Les plus importants, nous, on n'a pas besoin de la politique, de la polémique, de la justice, etc. L'erreur est humaine. Même
dans des grandes nations réputées démocratiques où l'état de droit règne selon les humains, on peut aussi arrêter quelqu'un. On le condamne pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et au fil du temps, par l'appel, pourquoi l'accusé a recouru à un appel ou bien à la cassation à sali pourvoi? C'est long ce qui a monique. Non, 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 non. Les cambo oyo, bah sans bisi à mon dengue mi beko et lobite. Alors, bah yétang moussouna. N'appelle au bébé sali pour voir n'est-ce que salaire qui est à niveau il y a cassation tout le monde a kayango bagoza la ba étudier ba lobi non azala qui a raison on voit déjà à venir va sali venir va la prison et va quitter état guinosa tout le monde a kabango et ça les magamo mingi la jurisprudence coûte pour sur ces dossiers on voit le président Jean-Pierre Bemba à MLC okay. Ba condamné bandi na ba 28 ans et quitté na 18 ans et puis il reçoit na combien L'acquittement. Donc c'est là que arrive. Alors pour nous, ce que nous disons, c'est que le plus important, il faut que se paye la peine à les bons côtés. Il faut que tu te la carrière là-bas. Na kanisi neti que est-ce que hier c'était 20 ans? 13 ans. Quoi. Non, hier là, c'était 20 ans. Après l'avant-hier, non, ça veut dire l'avant-hier c'était 20 ans. Hier c'était 13 ans. Et pourquoi pas aujourd'hui, ça peut aller dans les zéros pour l'acquittement. Puisque nous y croyons. Puisque aujourd'hui, à ce moment, ce que nous pouvons expliquer est que le casier judiciaire de notre président national est vide. Donc pour le moment, il est maintenant encore comme un. Kamere n'est plus un condamné. Ça veut dire que Kamere est citoyen libre. Il est maintenant celui qu'on peut encore à nouveau. Ça veut dire quoi? N'est-il présumé? Il est présumé innocent jusqu'à ce moment. La justice, c'est au dépend des jours. Soit il y a l'objet à Salango Lelo, soit il y a l'objet à Salango Lobby, soit il y a l'objet à Salango après 50 ans. Ça dépend toujours. Mais pour le moment, ils ont été à la fin de la fin. Mais le temps que la justice a bengi si on a nous tepo samba, on a nous libre. On a nous libre. Donc, mais ce que nous devons comprendre, nous sommes tous Congolais. Total anamisu. Ce n'est pas ma compétence politique ou bien partisane, il faut que même abisso n'a pas un sentiment nyoso. Mais tout à la réalité, mbo kanabisso n'est pas okindi. Vital Kamerhe, c'est un citoyen congolais. Bon, tu vois, c'est fait la naïe, ah ok, yendo mouya proposa ma kamouya ba débat contradictoire ainsi de suite. Merci. Et on sait bien les capacités fédérateurs, pardon, les capacités fédératrices. Il y a Vital Kamerhe à terme ma politicien de Bissot Nyonso. Merci. Les lobes de Gorabissot à la Mouga Bazo Senga dialogue. Tokoutana, ma solo, c'est ça ma solo. Mais tant que Moussou Bazo Baté Bago Bandago Solana Nali. Faut me mandat. Non, Bazo Baté Bango Bango Solana Nanazo Bazo Baté. De l'autre côté, et ça peut être Baté Bélé Banakacha Romona Mabé. Merci. Sauf qu'il va bénir si Vital et Gozala Mabé. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il gagne? Le pays ne gagne absolument rien. Envoyer Vital Kamerhe dans Katia prison, les pays ont beaucoup gagné. Vital Kamerhe, Aza, citoyen libre, et surtout, si le bon Dieu lui accorde encore la chance d'être aux affaires, ça touche, puisque nul n'est censé ignorer que ses capacités intellectuelles et managériales sont sans égal. Lamuka, plutôt Adolphe Mouzito, et nouvelle est là, s'oppose à l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC. Ma petite raison. Raison Oyo, va brandir ma casse d'aller, raison sécuritaire et puis raison économique. Raison sécuritaire, Adolphe Mouzito a battu un civil, c'est pas normal, tant que nous appartenons à l'organisation sous-régionale Oyo, et ça va agresser Nabisso Nakati. Raison économique, bah, nous ne sommes pas encore à mesure près, la République démocratique du Congo n'est pas encore prête, il y a beaucoup de choses, là-bas, contrats moko, des contrats commerciaux, là-bas, pays Oyo. Économie la banque assez stable pas la vie d'aller comme l'économie n'a pas à mon itin à t'habiter renforcer peut-être relation participation à la carte à SADC ou selon banque à mon c'est l'organisation sous régional un peu plus crédible et puis indépendante selon ma rampe la banque de renforcer en la balle non de confinement le roi n'a souqué qui n'a une minute toujours non on déco à des fois c'est ça le rôle n'a pas le banque même fois les gens que tu es en train de citer ce sont les grands leaders et bazami c'est les gens de l'opposition. Puis c'est l'opposition, souvent pour nous critiquer, mais malheureusement, il y a des propositions à côté. Ma proposition est pour les médias, pour les militants. Pensez-vous que lorsque le pouvoir en place a une décision, ça ne date pas d'aujourd'hui. N'oubliez pas que le président de la République le disait depuis tant que tu es en pouvoir, que souci à RDC, c'est là qu'il peut appartenir à la communauté, il y a Est-Afrique. Uniquement aussi pour bénéficier sur les avantages commerciaux. Pourquoi?
na biloko ezo uta tango mususu Singapour. Na biloko ezo uta adefo na voisin na epa ya Kenya. Tu préfères wapi? C'est de ton. Moi je préfère à des fois faire le commerce avec mon frère africain, même si nga nazana eloko na kotege la été, mais oyo yaye eko ya epa na ngai. En réalité c'est quoi? Les gens pensent que comme Rwanda nous agresse à chaque fois, et que biso to koti na organisation na pona Rwanda te. L'organisation là, Rwanda paix à la carte. Mais tant que nous sommes sous, il y a une occasion à goyer Bissagaye. Mais pourquoi tu veux toujours nous faire merci, mal? Merci, Dego Filemon. Maître Moutoubo, pour tout ça, Maître Claude. Je pense que c'est bon, notre souci. Je pense que pour position, il y a Bandeko, la Mouka et Bandeko Adolf Mouzito, ils ont vraiment fondé. Ils ont fondé parce que, qui est adversaire, ou bien agresseur, parce qu'ils ont une organisation, ils ont une côté. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que même le pays où on en est, Rwanda, en dehors, il y a organisation OE. Mais tout ça, il y a des membres des Nations Unies. Tout ça, il y a des membres. Tant que dans le sommet des Nations Unies, c'est la voix qui prime. Tout ça, le problème, il y a rapport de force. Ce qu'il faut faire, il faut créer des sortes que Bissot soit un peu plus puissant que Bango. C'est fini, tout le monde a dominé, Bango a l'organisation belée. Ça ne sert à rien. Merci Claude Ngoma, ce qui s'est passé. Juste une minute, ce qui s'est très bien, Deko Kalafay. Position de Bissot Nouvel Elan, et Longo, on a initiateur à parti, Adolf Mouzito, et Ali n'a pas volé Misato. Ou t'as repé sa volée à l'évolution économique. Pourquoi voler économique? Parce que le gouvernement, le régime en place, Yandeko Chilombo, à sali politique, mon côté a favorisé comment donc intégration économique entre nos provinces. Jamais province n'a vu ce moko moko basant l'intégration économique et zalité. Ozomona, d'où l'air to koti na katia lingomba wana, toza na point de vue économique, toza perdon. Du point de vue sécuritaire, et Seigneur n'a vu ce d'abord en interne, toza na une grande capacité organisationnelle pour que to koko ko pesé sur le plan diplomatique et coopération. Tant qu'on a réglé le problème, on a vu ça différent entre les pays voisins. Pendant ce qui s'est rendu, on a vu tes alliés, awa et tes alités. Et c'est qu'on a vu ça construire l'État. Donc, par l'absence de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, elle laisse à son côté dans l'organisation. Nous sommes finalement pour ne rien gagner. Merci. Vous êtes partout et voilà que vous êtes nulle part. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.